Salut, salut, et bienvenue dans ce deuxième épisode du Keldon Lab. Alors, les choses ont pas mal avancé depuis. Vous voyez, j'ai dû séparer les coffres parce que j'avais beaucoup trop de cobblestone. Pareil, à un moment, j'ai dû voilà, choper du sable et tout ça. J'ai un coffre pour le bois. Alors, en termes de minerais, là, ça a pas mal avancé en fer. Un petit peu dans les autres, j'ai eu un petit peu plus de diamants, et puis bon, bah, de la redstone à foison. Je commence à avoir de la laine de couleur, vous voyez, là, du blé, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Enfin bon, voilà. La vie est belle, tout est pépère. En termes de changement, voilà, j'ai fait un petit peu plus de décor, là, j'ai fermé ça, j'ai fait un escalier comme ça. Et puis j'ai fait mon premier enclos avec mes moutons. Mes moutons de couleur, donc ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on voit qu'il y en a qui sont encore tondus. Puis j'ai préparé un autre enclos pour un autre type d'animal, une fois. Et voilà, je sais pas encore quand on aura trouvé, parce que de toute façon, ben là on n'a rien pour l'instant aux alentours. Enfin, s'il y avait des lapins, je crois. Donc voilà, c'était pour les news. Donc j'avais dit dans la dernière vidéo qu'on allait aller se promener un petit peu. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre du blé et des graines au cas où on tombe sur des moutons, des machins, enfin peut-être pas les moutons, mais sur des vaches ou quoi que ce soit. Et je vais prendre. Est-ce qu'il y a des carottes de prête? Ouais, là ici elles sont pas mal. Hop. Ah, j'en ai eu qu'une. Elles étaient pas prêtes. Bon, tant pis. Bon, bah tant pis. Si on rencontre, je sais pas ce qu'il faut. Eh, mais j'ai oublié d'en mettre au milieu là. Bon, tant pis, c'est pas comme si j'en avais pas trop. Donc voilà, on va aller se balader et puis on est préparé au cas où on rencontre du monde. Alors, j'avais dit qu'il nous faudrait du bambou là. Et là, en allant promener un petit peu par là la dernière fois, voilà, je l'ai vu là-bas. Alors, je l'ai pas ramassé parce que je me suis dit que voilà, j'avais dit qu'on explorerait ensemble. Donc, on va explorer ensemble. On va ramasser le bambou. Et on ira voir ensuite le plateau qui est au-dessus de la grotte là. Voilà, donc comme ça on a notre bambou qu'on pourra replanter après. Alors ces trucs là, je sais pas à quoi ça sert, c'est quoi ça? Rien, ok. Donc on va aller voir là-haut ce qui se passe. Alors, si vous voyez, j'ai aussi augmenté la taille un petit peu de ma forêt. Alors c'est une mini forêt, hein, mais honnêtement j'ai des trop de bois pour l'instant, donc je m'en sers plus. Mais aujourd'hui le bois pour faire de la déco, enfin je le garde en cas de déco. Le problème c'est que j'ai, c'est pas évident à dire ça. C'est que j'ai, le problème c'est que j'ai que des acacias. C'est pas évident à dire ça. J'ai que des acacias. Non c'est que j'ai que bon. Donc voilà, ce serait bien qu'on arrive à tomber sur d'autres types d'arbres. Et là on va aller voir là-haut ce qui se passe sur le plateau. Vous voyez là, on a un énorme plateau où je pense qu'on va pouvoir faire. Ouh, il y a même une grotte là-bas. Ok. Donc voilà, je pense que ce plateau il va pouvoir servir de pour faire la base du labo. On a une grotte avec un mouton. Putain, on est vraiment dans la savane, hein. C'est tout plat. Il y a de l'herbe partout. Mais ouais, je pense que ce plateau là, il sera vraiment pas mal. Ça a demandé du boulot pour tout aplatir et tout, mais. Alors. Je ne vois rien d'intéressant, hein. Rune de Dieu, hein. Même pas un animal, que dalle. Un petit cochon, un chawal, je sais pas. Oh, une vache! Oh, une poule! Les poupoules, venez, j'ai des graines. Venez, les poupoules, venez. Allez, on va ramener les poupoules. Venez, les poupoules. Tu viens, toi? Qu'est-ce que tu fais? T'as fumé? Allô? Ah, ça y est, allez, viens.
Venez, 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 les petites poupoules. Ah, 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 la queue leu leu. Ah, 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 la queue leu leu. Ah, 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 la queue leu leu. Tout le monde s'éclate. Ah, la queue leu leu. Là, je vais t'embêter par ici. Ah oui, pondez des œufs, c'est bien, bien. Ah, c'est dommage, je peux pas attirer et les poupoules et les moutons. C'est pas grave. Et après, on ira chercher la vache. Ok, on va essayer de descendre intelligemment. Vous venez par là? Vas-y, il est où ton œuf? Ah, je crois que je l'ai ramassé automatiquement. Ah, viens! Allez, viens! Venez, 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 venez! Attention, le piège mortel! Venez! Oui, c'est bien, mes poupoules! Maintenant, restez. Non, 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 non! Saleté! Viens ici! Viens ici! Ici. Allez, viens. Allez, viens. Putain, j'y crois pas, c'est une poule rebelle, quoi. Hop. Naméo. Bon, allez, on va chercher la vache. C'est bien d'ailleurs que je me mette à faire un escalier ici pour remonter là-haut facilement. D'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne idée de monter parce que la vache était là-bas, en bas. Ah, ouais. Je vais t'embêter avec la vache. Ah bah, il y a un mouton. Voyons voir où qu'elle était la vache. Elle est là-bas. Je trouve un moyen de la faire monter. Ah tiens, il y a encore une poule là. Remarque, je peux lui faire faire le tour par là. Allez, on y va. Attention, là c'est du parcours du haut level pour moi. Ça rigole plus. Oui, toi, au spectateur, si tu tombes sur cette chaîne alors que tu ne me connais pas, sache que mes skills en parcours sont indétrônables. Des lapins! Ah, ils se barrent, les cons. Alors, elle était où la vache? Ce serait nickel si j'arrivais à en choper deux. Il y en a une? Est-ce qu'il y en a une autre? Il y en a une autre là-bas. Je vais aller d'abord aller chercher l'autre. Ouh, il y en a même trois. Bien, vache. Vache. Vache de Stampede. Allez, viens, vache. On va passer vers là. Me font les vaches font me font les vaches font me. Les vaches dans les prés, il faut les voir de loin. Elles broutent plein de l'herbe et puis des fois du foin. Elles sont belles avec les mouches. Qui les est, il va faire nuit, oh non non non, pas la nuit. Me font les vaches font me font les vaches font me. Quoi? Elle vous plaît pas ma chanson? C'est hyper passionnant quand même, hein, comme activité. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Non, il va faire nuit. Mmh.
Bon bah je crois que je vais mettre les vaches avec les poules, hein. Comme ça elles vont bien les écraser. Piétinage de poules. Vas-y, viens. Oula, il y a déjà des zombies. Voilà, là on est à peu près sauvés. Tout ça sera beaucoup plus simple quand j'aurai tout aplati. En plus, c'est bien, hein, le cœur de vache, c'est ce qui me manquait pour pouvoir faire plein de trucs. Ah, mais j'ai pas mis de torche à l'enclos là. Allez, venez. Hop, à la queue de l'œil. À la queue de l'œil. À la queue de l'œil. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Pousse-toi là. Allez, viens. Allez, pêcheur. Alors, je dis pêcheur avec l'accent ch'ti. Ça va pas, ça. Attends, mais si je les tape, elles vont se. Allez! Putain, mais c'est con une vache, quoi! Ok, viens là. Hop! Vas-y, vas-y, pose-toi, pose-toi, viens! Allez! Vas-y! Allez! Putain, j'y étais presque! Allez, viens! Chacune votre tour! Yes! 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 Voilà! Clévin du ce qu'il faut pas faire pour survivre dans ce monde de brutes. J'ai cru que c'était un ennemi, ça. Je m'en fais des frayeurs tout seul. Ok. Walou, comme ça vous avez de quoi boire, vous êtes tout content. Alors, tant qu'à faire, on va commencer l'élevage. Hop. Et toi? Hop. Voilà, faites de petits bébés. Et toi, donne-moi ton œuf déjà. Toi et toi. C'est bien. Bon, là-dessus, je vais aller dormir et puis on se retrouve là-bas. Je vais aller explorer un petit peu et on se revoit quand j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Oh mais oui, oh mais oui, toi t'as tout compris. Sincèrement, comment elle a fait pour monter là-haut? Je vous assure. Pardon, là, ça y est, j'ai loqué. Je vous assure que c'est pas moi. Hein. Je suis arrivé, elle était là. Tu viens? Elle vient. Non, tu veux pas? Ah, loqué. C'est bien d'avoir loqué pile au moment où tu fais une vidéo. C'est hyper pratique. Bon, honnêtement, à part de la savane et de la savane, bon. En plus, on voit que dalle, quoi. Wow. Déjà que le bouclier, là, il gâche un petit peu, enfin, il gêne un petit peu quand je farme, parce qu'il me bouche une partie de la vue. Mais là, voilà, dans le truc avec des. On est où, là? Ça va, c'est le matin encore. Oui, cote, cote, vas-y, donne-moi ton œuf. Y a-t-il un autre biome quelque part? On prend des neufs. Bon, je reviens quand il y a quelque chose. Ou des cochons? Et le problème, c'est que j'ai pas de carottes. J'ai pas de carottes. Tu veux pas prendre du blé? Non, des graines. Oh, des graines? Tu veux des graines? Ah non, il me regarde, c'est tout. Là, les moutons suivent, mais tu viens? Oh, j'ai pas de carottes. Bon, ok. Alors, je sais qu'il y a des moutons ici. Il y en a même pas mal. Parce qu'en fait, en gros, il va falloir que j'aille me construire un troisième enclos. Oh, des chawals! Il y a des chawals! Oh, ils sont super beaux en plus. Ils sont tout blancs. Le problème, bah, c'est pareil. C'est que comme j'ai que des acacias, j'ai pas de pommes. Donc de là pour me faire des pommes dorées, ben dans le cululu. Ok, bon, 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 bon.
Bon, voilà. En tout cas, il y a des cochons. Spider cochon, Spider cochon. Il peut marcher au plafond. Ok. Bon, bah, je vais retourner à la base. Je vais attendre que les carottes sont cuites. Pardon. Non, je sais pas ce que j'ai là. Je sais pas ce qui m'arrive. Désolé. Entre tout à l'heure que je chantais et puis là, je fais des blagues de. Donc voilà, on va attendre que voilà, que les carottes soient quoi déjà mûres, voilà. Et puis je reviendrai ici et puis pour le, je sais pas si les chevaux on peut, est-ce qu'on peut essayer même sans carottes? Est-ce que tu te laisses monter même sans carottes? Ah oui, d'accord, ok. Mais bon, le truc c'est que j'ai pas de sel et j'ai pas de. Mais bon, on peut au moins les monter un petit peu. Ok, bon allez, je retourne à la base. Et voilà. Ha ça c'est de l'élevage une fouille. Ok. Tiens, carotte. Carotte. Non mais il mange. Et voilà, on a des bébés cochons. On a des moutons. On a des vaches. On a des poules. Non. Hop, hop. Je suis pas doué pour ça. Désolé. Mais j'avais pas trois poules? C'est pas mieux que l'autre, elle a réussi à se barrer là. Alors vous allez me dire, oui, il y a trois poules. Oui, mais je leur ai fait faire des bébés aux poules. Normalement, elles devraient être quatre là, comme les vaches. Putain, c'était vraiment une putain de poule rebelle, hein. Elle a réussi à se faire la malle, dis donc. Je vérifie, il n'y a pas de trou nulle part, hein. Clevandius. Ok, bon. Bah on a atteint l'objectif de la journée, je crois. Hein? On va pouvoir s'arrêter là. Hein? On a fait de l'élevage. J'ai replanté des carottes. Donc là, on a fait le plus gros. Tiens, d'ailleurs, je vais bientôt pouvoir refaire une récolte de blé. Bon, du coup, on a vu que c'était bien plat quand même là-bas. Hein? Donc, pour faire mon labo, pour faire tous mes trucs pour mes tutos, voilà, ça va être tranquille. Le tout, c'est qu'il voilà, il va falloir enlever toute l'herbe, il va falloir tout aplatir. Ça va être un peu galère. Mais voilà, on est arrivé, je pense, à l'objectif de la journée. Des œufs, alors des carottes, j'en ai pas, voilà, je vais les mettre là. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Vous avez été pas mal à réagir sur la vidéo d'avant, ça me fait plaisir, c'est cool. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, vous abonner. Moi, je vous fais plein, 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 plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.